Salut, c'est MMC Nathan, on se retrouve. Donc, moi il y a une seconde, et pour vous c'était la semaine dernière. Pour cette petite émission. Hein. Donc on va arriver, on va aller jusqu'à 2h, et on part de Moscou. On est toujours sur la Moscou, la map Moscou, hein, parce que on doit faire une livraison avec un camion de 380 chevaux. On va se prendre un millier d'amandes parce que on va pas pouvoir faire sieste, mais bon, tant pis. On y va, let's go. Donc on est de retour là, et comme je vous ai peut-être dit la semaine dernière que j'ai pas dû finir, ils ont fini finalement la dernière mise à jour de le multi de Euro Truck 2. Donc maintenant on est sur la 1.9. Peut-être qu'ils ont refait une nouvelle version. Voilà, mon patron dit que je suis pas à l'heure. Ben, dans 2h je suis en retard. Je crois. Putain, je vais être en train de faire. Donc voilà, là en plus on a la piscine qui va bien. Mais bon, on n'a pas le camion qui va super bien pour faire des trucs rapides. Surtout qu'en plus on peut même pas lui mettre un moteur plus puissant, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, après, dire franchement, moi je me suis un peu. Que ce soit retard ou pas, j'ai la relance, mon t-shirt. Donc voilà. Donc il y a le multi qui a fait sa mise à jour, truc super bien, voilà, 150 € d'amende. Ça commence et il me reste encore 3 heures de route. Merci. Et en plus je peux même pas me reposer sur la route, c'est con. Donc voilà. Donc on va finir ce convoi là. Et après je vais refaire un petit convoi vraiment en rapide parce que ça concerne. Les convois rapides et pas les convois classiques. Donc voilà, on va aller chercher un convoi plus rapide, soit presque vidéo, soit vraiment. Donc voilà, on va essayer un truc assez fluide, rapide et prendre bien des bonbons. Mais bon, là en gros ça commence à vraiment m'aider. Le fait que donc j'espère que ce jeu me plaît, parce que moi franchement il me plaît plutôt bien. En gros il m'a toujours plutôt plu. Je l'ai toujours trouvé assez joli. Là en plus le pire c'est que les décors changent un peu. Je peux pas dire que c'est joli, mais ça change en gros. Il n'est plus en gros c'est pas pareil. On passe des villes, on a rien à faire dedans. En gros on n'a pas de convoi, ils sont là, on n'a rien, mais elles sont là. Donc voilà, génial. Voilà, ça c'est plutôt sympathique. Je sais que dans la pro mode, ça il y a des trucs comme ça. Je sais plus si dans la PSM, mais je sais que dans la pro mode, il y en a. Mais bon, on va dire que c'est sympa. On va essayer. On voit pas bien plus avec ah si, un peu plus en fait à la droite. Donc on arrive dans 2h à peu près, et c'est vraiment dommage que rien de plus. Si en fait ça éclaire plutôt bien, en fait ça éclaire plutôt bien.
plutôt vif en fait quand on regarde dans le rétroviseur gauche, dans la vitre gauche, dans la rétroviseur. Bon, ils font chier là, normalement il n'y a plus personne à cette heure là. Surtout à Saint-Denis. Donc voilà, après ça, je vais un peu pour le starter, parce que ça va être plus facile. Et c'est le start. Donc voilà, après je vais faire. Donc voilà, ça doit faire déjà 5 minutes à peu près que je fais une vidéo. Donc voilà. Donc par contre, j'ai pas refait comme j'avais fait avant avec Audacity. Parce que j'ai trouvé que mon ordinateur n'était pas capable de le faire. Donc j'ai arrêté. Je ne suis pas cassé la tête à essayer de chercher. Vas-y encore, vas-y. Non. Donc voilà, j'ai pas essayé de chercher midi à 14h. J'ai pas essayé de recommencer parce que c'est vrai qu'en gros, déjà j'ai pas un bon. Rien de particulier, il faudrait que je m'achète un nouvel ordinateur, mais je n'ai pas de problème pour le moment. Parce qu'en gros, mon ordinateur n'est pas capable de prendre Audacity et Fraps en même temps. Il n'est pas capable de les mettre en même temps. Donc je dis ça, je veux dire qu'il ne peut pas, gérer les deux en même temps. Et vu que j'ai qu'un seul PC, et ben là, j'ai un autre PC mais il est pire ou presque. Et c'est putain tu vas arrêter de me maintenir. Normalement c'est un par jour, tu peux pas en prendre plus. C'est chiant ça par contre. Tu prends des amendes tous les 100 km, même pas tous les 10 km, c'est bon. Donc voilà, après ça dépend de ce qu'on appelle. En gros là j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon salaire dans le avec les amendes que j'ai eues, déjà rien que pour dormir j'en ai eu au moins pour. J'en ai au moins pour 500 euros d'amende, même plus. Mais bon, faut faire avec. Donc voilà, là il me reste un peu moins de 100 km. Je pense que ça va être vite fait. Alors là, je suis en même vitesse. Est-ce que t'en entières sur le côté ? Non, je sais pas. Bon, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme celle de la semaine dernière. Comme ça, moi, ça me permet, moi, de trouver des trucs. Si ça dure 2 semaines, tant mieux. Vous êtes exténué. Donc là, on a 108 km/h. Quand même, il arrive à aller. Même avec 300 km/h. D'ailleurs, ça me fait penser. Hier, j'ai regardé mon émission. Est-ce que vous préférez, ouais, qui est bon, je vous ai fait un petit hommage sur YouTube, c'était Top Gear. Franchement, cette émission, je l'adore. Ah, il s'est mis à pleuvoir. Ok. Quand je vous dis qu'on allait se choper la pluie, j'avais pas tant tort, mais bon, c'est vrai qu'un épisode sur deux, c'est déjà pas mal. Donc je sais pas, en fait ce que je voulais faire à l'origine, vu que je sais qu'il y a quelques conflits, comme si c'était que quelques conflits entre la Russie et l'Ukraine, faire un truc reliant les deux en gros, allant de l'Ukraine à la Russie, mais
truc, c'est qu'il n'y a pas l'Ukraine. On a la Pologne, on a... Ta gueule, putain, arrête de me mettre des fouilles. Donc on a la Pologne, on a la Bolivie, je crois. Pas moins que ce soit pas ici. Ma géographie, en fait, j'aime pas les trois petits pays qu'il y a dans l'Europe orientale. Donc voilà, après... What? Allez, réveille-toi. Ok, c'était bien toi arrivé. On dépêche pas un petit peu, tu pourras aller. De toute façon, là, je suis en retard, il n'y a pas de photo. Je vais arriver à 23h, je crois. Je sais plus que l'heure tu vas arriver. Donc voilà, de toute façon, je suis en retard, il n'y a pas de photo. Ouais, j'ai peut-être un peu. Donc voilà, après j'espère que ça vous plaît, que vous aimez mes voir mes vidéos. Moi j'aime bien les faire en votre compagnie. Parce que c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, je joue énormément. Je joue pas beaucoup pour moi. Je vais t'arrêter un peu là. De foncer, putain, il reste même pas une demi-heure. Je vais t'arrêter de prendre un café, c'est ça? Oh, il arrive, je vais pas. Ah, un garage, t'as tout relié dans le même machin. Bien. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais m'arrêter là. Là, je suis en retard. Donc voilà, après j'espère franchement que ça vous plaît, parce que moi j'aime bien faire ces vidéos, c'est vraiment vraiment le but de mes vidéos. Oh merde, ça me fait un peu chier de me mettre sur le lance. Wow, oh, oh. Quand même le pro de la route, tu t'endors mais tu restes quand même comme il faut sur la route, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez, par exemple ce que je vous ai dit la semaine dernière, comme quoi si vous avez une idée qui va s'attraper, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément vous qui donnez des idées. Les games, je sais plus qui est. Après, je verrai par moi-même si c'est une bonne idée ou pas. Mais bon, déjà, faut que je voie par moi-même. Et après, donc là on est bientôt arrivé, j'espère pas prendre de brûle ou d'autres trucs comme ça, hop, on arrive plus. Donc voilà, après moi c'est vrai que pour votre jeu, c'est pour moi le meilleur jeu de simulation. Le meilleur jeu de simulation existant pour le moment. De camion en tout cas. Là normalement il y en a un autre qui devrait essayer. Mais qui n'est pas American Truck Simulator bien sûr. Parce que celui-là on ne sait pas quand c'est qu'il va sortir. On en entend parler beaucoup. Après, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est la vérité? On ne sait pas. Peut-être que c'est une vérité, mais vraiment. Ben, en gros, je me demande pourquoi il sortirait un meilleur jeu alors qu'en plus, il garde encore le jeu de Road Truck 2. Alors, pourquoi il fait encore des mises à jour hein, c'est ce que je veux dire par là. Pourquoi il fait encore des mises à jour pour Road Truck 2 alors que, disons, American Truck qui devrait sortir bientôt.
moi, c'est le truc que je trouve complètement stupide. Pourquoi ça me fait ça? Mais vas-y. Donc voilà, après... Là, en plus, elle va être plutôt courte, cette vidéo, parce que là, ça doit faire une quinzaine ou une vingtaine de minutes. What? Avec toi, alors on peut accélérer. N'empêche qu'on n'a pas fait un seul accident. Ouais, pas un seul accident alors que on dormait. on a eu plusieurs somnolences. C'est vraiment plutôt pas mal. Oh merde, ça me fait. Donc voilà, nous sommes arrivés. Cette vidéo sera plus courte que la deuxième, que la première, mais bon, ça suffira. Et je sais pas encore si je vais faire cette map ou pas. Le test que j'ai dit, mais bon, on verra bien. Je pense que je vais faire une map vite fait en gros, et que ça marche. Donc voilà, après, merci. Allez, roule, pas sauvé. Donc voilà, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Bah, en fait, je ne vais même pas me demander si vous appréciez le jeu, parce que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que forcément, vous appréciez le jeu. Au moins, un minimum. Parce que c'est vrai que je suis pas le meilleur commentateur du monde, mais j'ai vraiment un truc qui me fait mal à ça. On va dire que je fais Oh shit. What the fuck. Bon, de toute façon, j'ai pas de rétro, donc on va passer cette petite partie. Ah, il y a un bug. Il y a un bug, c'est meilleur. Parce... En retard, ça j'avais compris. Merci pour toi. Tout est possible, merci. Progression du succès, 5 sur 30. Accès des succès déverrouillés. Un ami sont toujours là pour vous aider. Merci, ma poule. What? What the fuck? En gros, j'aurais pas fait la vidéo, ça aurait été pareil. Sans accrochage, sans rien. Juste un petit retard de 4h30. Et là, on enlève le tout. What? Bon. Bah tant pis. Hein? Bah au moins, ça m'aurait fait un convoi rapide. Ben, rapide. C'est long, mais... j'ai pas eu trop de soucis pas mal avec la police quand même, mais on va dire que pas trop de soucis du côté en gros j'ai pas eu les soucis que j'aurais dû avoir, des accidents j'ai même eu des excès de vitesse quand même. J'ai pas eu de grillage de feu rouge alors que pourtant je dormais comme un bébé sur la route. C'est dingue, je dormais quand même, je me comprends quoi. Donc voilà, après je sais pas, je pense savoir ce que je vais mettre dans la description et dans le truc, mais avec le général je pense que ça va être bon. Donc on va se laisser sur cette partie. Allez, je vais vous montrer comme quoi c'est vrai ce que je vous dis, que on n'a pas le... En gros, on est en 1.3. Enfin, allez, 1.3.
1.13.3S, donc je pense que c'est une version de facile. Donc là on a encore... Oh, c'est quoi ce jeu? Donc d'après ce que j'ai compris, il y aurait des nouvelles villes et des nouvelles opportunités. Ouais, donc voilà. Là, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà. Donc je vous dis à plus. Ciao.